Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo courrier. Attention, voilà grosse mémère qui arrive à côté de la vidéo. Viens là, viens maman. Voilà, mais pas tes fesses sur la caméra par contre. Donc je suis contente, aujourd'hui j'ai reçu trois enveloppes. Vous êtes tous superbes parce que ben, en ce moment je reçois pas mal de paquets et ça me fait énormément plaisir. Alors, j'ai déjà ouvert hein, les enveloppes et j'en ai déballé un parce que j'ai déjà même enlevé l'enveloppe parce qu'il n'y avait pas le nom. Voilà, pas de nom, pas de petite carte, rien. Donc, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Voilà. Donc, si vous reconnaissez dans ce que je vais montrer après, ben, faites-moi un petit coucou pour me dire oui, oui, c'est moi qui te l'ai envoyé pour que je puisse remercier la personne. Parce que ben, il n'y avait strictement rien sur l'enveloppe et j'arrivais même pas à lire sur le tampon, j'arrivais pas à lire sur le tampon la ville non plus. Donc voilà, bon, c'est un colis surprise, je ne sais pas de qui. Donc la personne qui me l'a envoyé, ben, si elle peut me faire un petit coucou ben, là, sous la vidéo ou alors par email ou sur mon Facebook, ben, voilà, comme ça je pourrais la remercier. Et ça me fera très très plaisir. Alors d'abord, alors je suis en train de rechercher, je l'avais mis, voilà, je l'ai perdu, c'est pas vrai. J'ai créé un mélan, je crois. Oh, écoute ma belle, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom de ta chaîne. Je vais vous remettre le nom de sa chaîne en barre d'infos. Participé, voilà, je vais y arriver. J'ai participé à un concours qu'elle a organisé sur sa chaîne. Oui, c'est ça, Créa Mélan. Voilà, j'ai retrouvé sa chaîne. Donc, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je crois. C'était pour les 100 abonnés. Voilà. Bon, j'ai toujours autant une tête de poisson rouge, hein, donc je me souviens pas toujours de tout. Et j'ai gagné son concours, voilà, donc ouais, j'en suis très très heureuse. Et puis ça me fait vraiment plaisir parce que sa chaîne est toute nouvelle, hein, et elle a sa chaîne depuis quelques 3 semaines, 1 mois je crois, je ne sais plus. Et elle montre de jolies choses, elle nous fait de jolis petits tutos et c'est toujours sympa à regarder. Donc je vous invite à découvrir sa chaîne, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je vais vous montrer ce que j'ai gagné chez elle. Voilà, alors d'abord elle m'a fait un petit mot, voilà, une jolie carte, vous voyez, voilà, avec un bravo Edith. Voilà, et là, alors là, tu as tapé dans le mille, hein, parce que regardez ce qu'elle m'a mis là, une Betty Boop. Alors là, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai une collection là derrière moi d'ailleurs de Betty Boop. C'est mon héroïne, Betty Boop. Voilà. Alors elle me dit félicitations, bravo Edith, tu as gagné mon premier concours. Oui, c'était son tout premier. Elle est contente de savoir que je vais mieux et que j'espère que tu seras contente de mon envoi. Tout à fait. J'adore ce que tu m'as envoyé. Et elle me fait un gros bisou, bien sûr. Et moi, je lui refais un gros bisou. Je te fais un gros, gros bisou, ma belle. Alors, en plus, j'étais en train de chercher le nom de sa chaîne. Elle l'a marqué sur la carte. Pour vous dire, un vrai poisson rouge, la Lilith. Enfin, allez, je vais vous montrer ce que j'ai gagné à son concours. Alors, un joli ruban. Voilà. Ça vient de... Je pense reconnaître les papiers, mais ça doit être Zeman, ça. Je pense, voilà, il est super beau avec des fleurs. Ah, génial. Alors, je ne les avais pas, donc voilà, c'est chose faite. super, je ne les avais pas trouvés moi quand j'avais acheté les autres, donc c'est super. Vous voyez, on peut faire des découpes comme ça. Ça fait un peu étiquette. Ensuite. Oh, des mini stickers. Oh, ils vont être trop mignons, ces stickers pour mon planeur.
avec des. Comment on l'appelle? Oh là là, ça devient grave hein, chez moi, je cherche toujours mes mots. Des licornes, voilà, des licornes, des fées, des châteaux. C'est trop mignon. Ça j'adore pour mettre dans mon planeur. Oui, je sais. J'ai 53 ans et j'en ai 5 dans la tête. Un, voilà. Et à ça, j'aime bien aussi les tags stickers en 3D chez Action. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Ils sont super beaux. J'adore. Bah écoute, encore un. Je suis en train de chercher ton prénom. Hein. Oh là là, ça devient grave chez moi. Alzheimer arrive. Bah, je veux dire Créa, mais là, voilà, je vais dire le nom de ta chaîne. Je te remercie beaucoup. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à ton concours, encore plus heureuse de l'avoir gagné, bien sûr. Et je suis super heureuse parce que là, je sais que tu as largement dépassé les 100 abonnés, puisque je l'ai sous mon nez. Maintenant, tu as 248 abonnés. Donc, c'est super et je souhaite une très longue vie à ta chaîne. Voilà. Un gros, gros bisou. Alors, dans les courriers surprises, j'en ai un autre. Enfin, je pense que ça. Je suis pas sûre. Ma poulette, si c'est toi qui me l'as envoyé, dis-le moi. Si c'est quelqu'un d'autre, bah, dites-le moi aussi. Aujourd'hui, c'est les courriers surprises. Je vois pas qui c'est. Il n'y a pas le nom. Alors, je regarde si elle a mis une carte. Oui, et puis il n'y a pas d'adresse non plus sur l'enveloppe. Donc c'est le jour des surprises. Alors surtout, fais-moi signe de vie, hein, toi qui m'as envoyé cette magnifique enveloppe, pour que je puisse te remercier, à moins qu'il y aurait une carte dans celui-là. Bon, allez, je vais déballer et puis on verra au fur et à mesure que l'on va ouvrir pour savoir qui c'est. Surprise, surprise. Alors, il y a déjà un petit sticker. J'ai mon soleil en double. Bon, alors, non, elle ne met pas son nom. Alors, elle me dit qu'elle a commandé ce dies en double. Alors, ces dies, cette marque-là, ça me fait penser à Daniel. Alors, Daniel, si c'est toi, dis-le-moi. Ben oui, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous alliez m'envoyer des enveloppes, des colis. J'en attends encore d'ailleurs, mais je vous en remercie tout encore beaucoup. Et ben, du coup, là, je ne sais plus. Mais ça, je pense que c'est Daniel. Ça, tu me diras. Alors Daniel, Isabelle, non, non, du coup ce serait pas Isabelle, mais bon, surprise. Les filles, pitié. Quand vous m'envoyez quelque chose, mettez-moi votre nom derrière ou un petit mot à l'intérieur avec votre nom, votre adresse aussi, parce que bah, j'aime bien voir les adresses pour pouvoir remercier tout le monde. Excusez-moi, je bouge la caméra. Et aussi votre pseudo. Comme ça, bah, je sais qui. Voilà, alors elle m'a fait des découpes de cartes. Voilà, regardez, je trouve ça super. Ça fait la carte zigzag comme mon album, c'est génial, j'adore. Donc elle me l'a fait en marron comme ça, enfin en craft, et elle me l'a fait en noir comme ceci. C'est vraiment super, j'adore. Donc le dies, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Je ne sais plus où retourner. Oh, et où on tourne. Il est là. Fifi, attention, je vais couper ta queue. Voilà. Alors, comment ça s'ouvre cette petite chose-là? Ah ben voilà, je peux tirer. Alors, je vais enlever le plastique peut-être pour. Plus, il y a plusieurs tailles, ils sont super. En plus, il y a. Justement, je cherchais un grand thank you et un grand happy birthday. Et ben, c'est chose faite. Voilà. Donc, là, je pense que c'est l'explication. Oui.
Regardez, voilà, les dies qu'elle m'a envoyés, ils sont super beaux. J'adore. C'est magnifique. Pour faire des bordures, bah pour mes albums et tout. Oh, ça va être génial. Génial, génial, génial. C'est tout ce que je voulais en plus, justement. Donc, tu es vraiment, toi qui m'as envoyé, tu es vraiment tombé pile là. T'as bien fait, t'as bien fait de me l'envoyer. Encore un énorme merci parce que ça, c'est vraiment super, super, super. Je vous montre la marque. Voilà, alors c'est pour ça que ça me fait penser à Daniel, parce que je sais que ça c'est une marque de comment de vente à domicile. Voilà. Et donc non mais je pense que c'est elle. Confirme-moi vite. Alors, elle m'a mis des découpes. Oh, puis en plus, elle m'a tout bien emballé. C'est vraiment génial. Alors. Tout scotché. Alors, je vais essayer de ne pas trop arracher. Je vais ouvrir dans ce sens-là. Voilà. Non, n'ai pas peur. Fifi a peur avec mon couteau. Elle a peur que je coupe la queue. Désolée, hein. Ça vient, ça vient. Voilà. Alors. Je sais pas si je vais tout pouvoir vous montrer, mais déjà là, rien que ce que je vois, c'est déjà superbe. Alors, oups, là, elle m'a mis, il y a deux orchidées dedans, voilà, donc à coller hein, pour former la fleur. Génial. En plus, j'adore les orchidées. Bon, ici où j'habite, elles ont du mal à pousser, parce que bon, j'arrive à les faire refleurir, ça a plusieurs années, mais là ici chez moi, elles ont du mal. Là, elle m'a mis des découpes pour faire des petits nœuds. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Et ensuite, elle m'a fait plein de découpes. Oh, ça va être chouette pour Halloween. Regardez, un chat sur un balai. Voilà, là, des bordures, on va dire. Ensuite, alors j'ai déjà vu ce cœur là, il est super beau. Voilà. Encore une autre bordure, mais dans une autre couleur. Là, elle m'a mis des fleurs comme ça. J'essaye de rien abîmer. Oh, une tache. Ah, c'est trop rigolo ça. Ça, j'aime bien aussi. Je savais que ça existait en tampon, mais je ne savais pas que ça existait en dies. Là. Des petites on appelle ça, je cherche mes mots, vous voyez, enfin bon, vous avez vu, ça va me revenir hein, peut-être. Un autre chat sur son balai dans une autre couleur. Ils sont super hein, tes dies. Alors des étiquettes, des bordures d'étiquettes, voilà. Là il y en a encore ici. Des arabesques, voilà, j'ai retrouvé le mot. Oui, mais j'ai une tête de poisson rouge, mais des fois ça revient. Là, voilà, regardez ça, c'est super beau. J'adore. Allez, hop, 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 hop. Encore une autre. Elles sont trop belles. Hop, 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 hop. Voilà. Alors ça. Ça, je crois que c'est fait partie des dies avec le cœur. Ok, c'est tout. Encore une tache, mais rose cette fois-ci. Voyez, avec ce cœur-là. Voilà. Encore des arabesques. Elles se sont mises l'une dans l'autre. Alors, attendez. Parce que je ne veux pas déchirer, surtout. Voilà. Celle-ci. Ici, sont chouettes. Encore une bordure comme ça. Voilà. Encore un rond comme ça. Un petit cadre, une petite étoile et des petits encadrements comme ça. Ils sont trop mignons.
Super, j'adore, j'adore. Alors, Fifi, s'il te plaît, excuse-moi, mais je voudrais récupérer. Merci. Alors, ici. Voilà, j'étais gâtée, 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 pourri gâtée. Alors, il va falloir que je me trouve comment je vais ranger toutes les découpes que l'on m'envoie. Si vous avez une façon de ranger vos découpes, dites-le-moi. Ça me donnera des idées. Parce que je cherche justement comment les ranger. Ah, un joli cœur. Encore une arabesque avec des papillons. Trop belle. Elles sont super beaux, hein, ces découpes. Voilà. Des petits papillons. Encore les étiquettes. Voilà. Donc la plaine et la bordure. Ça, c'est comme un éventail. Voilà, c'est un éventail. Des papillons. Oh, un landau. Regardez. Oh, ça me rappelle. Il ressemble presque au landau que moi j'avais. Donc, qui devait être. Alors, c'est un landau qui était un landau de famille. Je crois me souvenir que moi j'avais été dedans. Mon cousin, enfin mon filleul et sa soeur, ma cousine, ont été dedans aussi, et mes enfants aussi. Et ils ressemblent vraiment à mon fifi. Ils ressemblent vraiment à celui-là. Oh, ça fait. Voilà. Ici, un an. Oh, avec sa tête. Voilà. Vous voyez, ça fait un arbre. Donc. Un deuxième dans la même couleur et un troisième donc en beige. Ah, oh j'adore, oh comme j'adore, oh là là c'est trop beau ça. Regardez, oh, j'ai jamais vu celui-là. Les chouettes, les hiboux, les chouettes. Ah, oh, il est trop beau. Oh super. Alors encore des étiquettes et elle m'a mis plein de petits sapins. Alors, il y en a même un qui est de deux couleurs. Il y en a même qui sont de deux couleurs. Oh, elle a dû coller, je pense. Ou... Ben, là, je sais pas comment elle a fait. Non, c'est pas collé. Je sais pas. Regardez. Ils sont trop beaux. Pour mes cartes de Noël, ça va être génial. Après des verres, voilà. Donc elle m'a mis toutes les tailles. Hein. Hop, pardon. Fifi, je t'aime bien, mais là, tu commences à me prendre de la place. Hein. Voilà, on va se mettre comme ça. Hein. J'espère qu'elle ne va pas bouger. Hier, elle ne voulait pas venir à la vidéo et aujourd'hui, vous voyez, encore plein de sapins. Plein, 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 plein de sapins. Voilà, il y en a plusieurs, hein. Je vous les montre comme ça. Vous voyez. Oh, c'est génial. Encore un sapin. Là, alors, des fleurs. Alors, ouais, dites-moi comment vous rangez vos découpes. Parce que là, des fleurs comme ça. Des plus petites. Oh, c'est vraiment superbe. Là. Hop, j'en ai perdu une. Celui-là, c'est pareil, ce dies. À chaque fois, je voulais me le prendre et puis à chaque fois, j'ai oublié. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore en plus. Et les fleurs comme ça. Là, une orchidée. Et des petites feuilles. Voilà, petite feuille comme ça. Ensuite, elle m'a mis des petits mots. Alors, c'est quoi les mots? Happy birthday. Comme ça. Et c'est surtout pour ces petits mots comme ça, c'est, je trouve. Après, il y a Happy New Year, donc bonne année.
Justement, il faut que je me trouve des dyes pour les fêtes. J'en ai pas du tout. Et Merry Christmas. Superbe. Oh, que c'est beau aussi ça. Oh là là, regardez. Alors là, ça fait, c'est embossage plus découpe. Regardez. Oh, ça, enfin, de jolies cartes, ça va être génial. Là aussi. C'est avec la carte en entier là. Et ici, alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un embossage, mais je sais pas si vous verrez bien là la lumière. Je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. J'étais super gâtée. J'adore tout ce que tu m'as envoyé. Et donc, fais-moi vite signe, mais bon, je pense que c'est Daniel. Si je me trompe, venez vite me dire qui c'est pour que je puisse remercier. Voilà, mais je remercie déjà mon inconnu énormément. J'adore vraiment tout, 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 tout. Et alors, le dice là, c'est j'adore, j'adore. Deuxième inconnu. Alors là, je vous dis, j'ai déjà enlevé l'enveloppe. En plus, je l'avais complètement déchirée. Hop, attends, pousse un peu tes fesses, mes mères. Voilà, vraiment la bâtisse, j'y suis un petit peu. Alors ça, ça vient d'Action, ça je reconnais, parce que j'ai déjà vu dans les vidéos. Et j'en rêvais, on me l'a fait. Voilà. Je les avais vus en vidéo, mais pas encore en vrai. Alors les watercolor paper. Voilà. Alors, je pense que vous devez connaître. Alors, je crois qu'on fait. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, là, bon, là, je pense pas que vous verrez bien. Donc, il y a des pages où il y a déjà du foil et il y a du brillant entre deux, comme si ça avait été embossé. Et donc, si je me trompe pas, on doit faire à l'aquarelle. C'est ce qu'ils disent derrière en français. Oui, c'est des cartes à l'aquarelle, donc peindre la carte avec de l'aquarelle pour dévoiler le motif, retirer l'excès d'eau avec un chiffon humide. D'accord, et ben on va essayer, hein. Voilà. Donc là, je vais quand même vous montrer si je peux, mais bon, les blancs vous verrez pas grand chose. Donc il y en a deux de chaque, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, c'est un blanc aussi, mais à la caméra, vous ne verrez pas. Je vais vous montrer plutôt les dorés. Voilà. Donc même les dorés, donc on les passe à l'aquarelle. Voilà. Donc ça, c'est un blanc. Vous ne verrez rien. Ça aussi. Là aussi. Là, un doré. C'est vraiment super. Je vais voir ce que ça donne. J'ai vu beaucoup les blocs comme ça sur les vidéos, mais j'en ai pas encore vu. Je pense ne pas me tromper, mais j'en ai pas vu qui ont fait. Oh, celle-là, elle a des papillons. Ouais, super. Donc là, c'est des petits points avec des. Alors, ce qui va ressortir là, c'est des petites banderoles, vous savez, en coin avec des coins. Oups, ça s'enlève. Après, il y a des phrases. Add a little to each day. D'accord. Et donc, en reflet, c'est des étoiles et le mot confetti. Bah, super. Génial. Donc, j'en ai eu un deuxième. Ah, 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 j'ai eu un deuxième. Donc, bon, je ne vais pas tout peut-être vous montrer, mais bon, c'est toujours la même chose. Donc, enfin, c'est pas les mêmes motifs, mais je veux dire, c'est toujours le même principe. Donc là, c'est blanc, vous ne verrez rien. Là aussi, là, c'est un grand cœur. Oh, celui-là, il est super beau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à l'aquarelle, mais... Alors, ce soir, je vais devant la télé, je vais sortir mon aquarelle, mes pinceaux, et je vais en faire. Alors là, c'est un mot. Make today amazing, mais c'est pareil... Non, je crois pas que vous voyez. Moi, j'ai pas. En retour, je le vois pas. Donc là,
C'est en français, donc au milieu c'est écrit C'est la vie. Voilà, super beau aussi. Là c'est blanc. Là c'est doré. Encore doré. Là des petits nuages. Ben merci, 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 merci beaucoup. Ah ben décidément, voilà. J'ai beaucoup de dies aujourd'hui, donc celui-là c'est les ronds. Je crois que je ne l'avais pas, donc tant mieux, je pense. Je crois que je vérifie, mais je ne pense pas l'avoir. Là, oh, du papier de Noël. Alors papier de Noël, ça mesure combien ça déjà? 15-20. Oh, il est super beau. Je vais faire des belles cartes avec ça. Regardez. Alors je pense pas l'avoir vu. Non, désolé, il y a peut-être une petite coupure là. Je viens de voir ma caméra qui a sauté. Alors si vous connaissez pas, je vais vous montrer. Moi je la connaissais pas non plus. Voilà. Donc là, je sais combien il y en a de chaque déjà là. 4. Voilà. Là, avec les fleurs de Noël. Là. Les petits rennes. Ouais, il est super beau hein, ce papier. Aussi. Oh, action me manque. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas. Là, là c'est marqué Merry Christmas. Ah, ça tombe bien, j'ai eu les sapins, tout, de papier. Je vais faire de jolies cartes. Là, c'est beau aussi celui-là. Là, avec les sapins. Je vais trimmer au Christmas. Et je pense que c'est tout, oui. Ben super, hein, j'adore. Trop beau. Ben, j'ai reçu les alphabets. Ça tombe bien. On n'a jamais assez trop d'alphabets. Alors, je ne les connaissais pas non plus, ceux-là. Ils sont encore en mousse, je crois. Non, mousse carton. Est-ce qu'ils disent? Ah, c'est des flots. Alors, ils appellent ça des autocollants alphabétiques. Floqué. Ouais, ça fait comme un petit velours dessus. Donc on les a envoyés donc en bleu ciel et blanc et en noir et blanc. Génial. Moi qui suis en train de faire des cartes en ce moment, ça va être super. Et j'ai eu droit à un grand bloc 30-30. En plus, celui-là, j'avais déjà vu. Alors, je l'avais vu sur la chaîne de Coco. Et j'adore. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais bon, je ne l'avais pas vu en vrai encore non plus. Alors, on va essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Alors. Hop, 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 hop. Voilà. J'espère que vous verrez bien comme ça. Avec des flèches. Là, c'est quoi? Ah, oh, c'est une voiture. Regardez. Bon, elle est à l'envers là. Désolé. Oh, il est beau celui-là. Je pense que celui-là, je vais m'en servir comme ça. J'ai une page de scrap à faire avec deux photos de la grand-mère de mon mari. On a retrouvé deux photos dans nos tiroirs. Et je lui ai dit que j'allais lui scraper pour qu'on puisse l'encadrer et mettre dans la maison. Et je crois que ce papier va être super. Va aller. À moins que j'en trouve un autre dans le bloc, mais je pense que celui-là va être super. Bah oui, mais Fifi, il bouge ton museau. Ah, les chapeaux. Popo. Des notes de musique. Un alphabet. Vous voyez bien? Dites-moi. Là, des fleurs. Là, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Là, oh, plein de pubs.
Oh, ça doit... c'est chouette aussi, regardez pour Halloween. Il y a des citrouilles, enfin, je vais vous mettre à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Voilà. Chouette ça. Il y a même une chouette, regardez là. Alors, là, vous avez vu le recto. Maintenant, je vous montre les versos. Là, une page d'écriture. Là, c'est quoi? Des trains. Des clés. Du papier chiffonné. Là, c'est des fleurs. Du bois. Ouais, c'est pas, ça fait pas très rétro, ça, par contre. Appareil photo, les cassettes. Ouais, mais on dira, si, les cassettes, c'est rétro maintenant. Hein. C'était de notre époque. Nous, les vieilles. Des fleurs. Celui-là avec des ballons, des bateaux. Croix de Lorraine, ça, je crois, non? Non, c'est pas une croix de Lorraine, je sais plus. Des boussoles. Là, un genre de tissu. Là, bah ça, je cherche le mot, mais bon. Et ensuite, le dernier, voilà, des fleurs comme ça. Eh bien, ma grande inconnue, merci, merci, merci. Je suis super contente. Vous m'avez encore toute gâtée, pourrie. J'ai énormément de chance de vous avoir toutes. Donc, encore un énorme merci à toutes. Et puis, ben, je sais pas quoi dire d'autre parce que, voilà. C'est vraiment super, super, super. Je remercierai jamais assez toutes les personnes bah, qui m'ont aidé, qui continuent à m'envoyer des choses. Vous êtes vraiment toutes géniales. Voilà. Bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais ranger toutes ces petites affaires. Alors, comme je vous ai dit, si c'est pour les découpes, dites-moi comment vous les rangez. Alors, par contre, j'ai entendu pour les dies. Bon, moi, je vais pas au champ, n'importe quoi, à Action en ce moment. Mais j'ai vu sur Facebook, sur un groupe Action, je crois, qu'ils avaient ressorti les grandes plaques aimantées A4. Il paraît que ce serait au rayon photo, cadre, tout ça. Et ben, j'espère qu'ils en auront encore quand je retournerai à Action, mais c'est pas pour tout de suite. Mais bon, en même temps, si vous ça vous intéresse, je sais qu'il y en a en ce moment. Alors le prix, je ne connais pas, mais je sais que c'est des pochettes avec deux feuilles aimantées noires. Et ça, dès que je pourrai, j'irai en chercher pour pouvoir ranger tous mes dies dans un classeur et les mettre sur des grandes plaques aimantées. Parce que je vous avais fait une fois un tuto. Pour mettre dans un mini album avec juste des bandes démontées, mais bon, moi ça tient pas, ça veut pas tenir. Voilà, donc ils sont tous dans une trousse et puis c'est galère. Donc dès que je pourrai, que ça ira mieux et que je pourrai aller à Action, je vais aller voir pour trouver ces plaques aimantées. Voilà, parce que bon, en plus là, elles doivent vraiment pas être chères, donc on verra à ce moment-là. Bon, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous, comme d'habitude. Fifi vous fait des gros câlins aussi. Hein, Fifi, tu fais des gros câlins? Fifi, tu fais des câlins? Oh. Regardez, elle est là. Toulou. Voilà ma fifille. Comme ça, vous la voyez mieux. On se retrouve très très rapidement. Là, je vais tout ranger. Je vais essayer. Je viens seulement de rentrer. Parce que j'ai dû aller à l'hôpital pour le dentiste. Oh là, excusez-moi, je bâille, je suis fatiguée. Après, j'ai dû aller à la Sécu parce que ma carte Sécu ne va plus et ça fait déjà 3 semaines que j'attends la nouvelle. Voilà, il y a toujours des trucs à faire.
Et j'en ai profité pour les dire bonjour à la dame dont je m'occupais, la dame handicapée dont je m'occupais avant d'être en arrêt maladie. Donc j'étais lui faire une petite surprise et lui dire un petit bonjour. Voilà. Alors du coup, je viens seulement de, je suis rentrée à 1h30. Là, il est 2h30 déjà. Je suis en avance. Et j'ai rien fait à la maison. Voilà, comme ça s'est fait. Mais bon. Ça va, j'ai un mari qui s'en fout. Voilà, puis quand il veut, quand il me donne assez de coups de main, donc. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous. Au revoir. Miaou, miaou. Allez, à bientôt.